Bonjour à tous et bienvenue dans les Potin Secret Story. Aujourd'hui nous sommes jeudi, donc nous avons déjà nos nominés de la semaine. C'est la semaine des garçons. Les deux nominés sont donc Alexandre et également Benoît. Revenons un petit peu à tout ce qui se passe autour de la Maison des Secrets pour le moment. Faisons un petit récapitulatif rapide des clans, des groupes et du nombre de candidats que nous avons déjà au sein de la Maison des Secrets. D'un côté, comme Amélie s'est autoproclamée étant dans le clan des winners, nous avons donc le clan des winners où nous avons quatre candidats, Amélie, Julie, Sénat et également Benoît. De l'autre côté, nous avons le côté des losers où nous retrouvons huit candidats, Shine, Charlotte, Stéphanie, Chris May pour les filles et quatre garçons avec Robin, Maxime, Thomas et Alexandre. Et alors, les deux électrons libres que nous ne devons pas oublier, qui se trouvent dans la pièce secrète, qui sont en mission pendant une semaine, ce sont Anne-Christelle et Bastien. Donc voilà tous les candidats qu'il reste au sein de la Maison des Secrets. Par rapport au secret, justement, notre amie Amélie craint fortement pour son secret, parce que de plus en plus, son amoureux Sénat se rapproche de son secret. D'un autre côté, elle, Charlotte, croit avoir découvert le secret d'Amélie et la buzz en disant que c'est une ex-call girl, mais lors de la confrontation, Charlotte se rétracte. D'un autre côté, Robin ne peut plus voir en peinture Julie, il ne la supporte plus de son côté de manipulation et de ce côté de toujours changer et d'essayer d'être mauvaise et de manipuler les garçons. Notre vampire Alexandre, lui, se sent bien seul au monde. Il est là tout seul en ne sachant pas très bien avec qui parler, avec qui se rapprocher. D'un autre côté, la voix pour justement mettre un petit peu du piment et de l'animation au sein de la Maison des Secrets organise une activité comme chaque jour. Et aujourd'hui, nous avons droit au jeu d'Eslo. Bien sûr, pour un peu pimenter l'histoire, c'est la voix qui décide qui elle met avec qui pour faire l'Eslo. Bien sûr, elle va pas mal mettre Stéphanie, comme ça Stéphanie pourra danser un slow avec Sénat pour mettre à mal son secret, vu que justement, hier matin, Shine a dit à Stéphanie, bah, c'est ton ex, Sénat. Elle ne savait même pas qu'elle disait la vérité, que c'est justement le secret que partagent Sénat et Stéphanie. Ensuite, Stéphanie a dansé avec Maxime et elle en a profité pour l'embrasser. Donc voilà que maintenant, Stéphanie est en couple avec Maxime. Maxime est le plus heureux des hommes. Il est aux anges, bien sûr. Romain est dégoûté et les autres habitants trouvent ça très amusant, très fun. Bien sûr, mis à part le clan des winners qui voit ça d'un très mauvais œil pour Sénat et pour Amélie. Ce n'est que de la manipulation de la part de Stéphanie, de la stratégie pour pouvoir s'assurer une place en finale. Voici un petit peu toutes les informations que nous avons pour le moment au sein de la Maison des Secrets. Je vous donne rendez-vous donc demain. Demain, nous serons vendredi. Nous approcherons très fortement du Prime avec énormément sûrement de surprises. Et d'ici là, soutenez votre candidat préféré. Votre cœur balance-t-il entre Benoît ou entre Alexandre? Allez, à demain. Ciao, ciao.